Bonjour, je suis Reginhardt, l'auteur des Cycles d'Ouranos, et je vais vous présenter, le temps d'une esquisse, les personnages du volume 1, Héraclyskos, premier épisodion. Aujourd'hui, nouveau croquis d'un des principaux protagonistes de ce premier arc, Télamon, qui accompagne Héraclès lors de son excursion vers Élion. Quand j'ai créé les aspects des différents personnages, j'ai cherché à illustrer l'universalisme de cet univers antique. Trop souvent, pour reproduire le quotidien ou les figures de la Grèce mythologique, on arrive à une sorte de consensus sur les vêtements et l'architecture, et je voulais au contraire montrer la diversité des cultures et des influences. Et trop souvent, on minore l'importance particulière de la culture phénicienne et son impact dans l'accomplissement de la culture grecque. Je voulais du coup leur réserver une place bien précise en faisant de mon Télamon une sorte d'ambassadeur. Télamon est un vagabond. Il va traîner ses guêtres d'aventurier aux quatre coins du pays, et le hasard va finir par le mener à Salamine. Par la suite, son attirance pour la gent féminine fera le reste, car mon Télamon se caractérise par sa passion pour les femmes, le désir et le plaisir. Tandis que Nestor, par exemple, est très rigide sur la question de la fidélité maritale, ce n'est pas du tout le cas pour Télamon, qui vit son existence de marin en n'oubliant pas les avantages qu'elle lui procure. Même s'il est devenu le prince de Salamine en épousant la princesse Glauquée, fille de Coucréous, il n'a aucune ambition de devenir roi. Et son affection pour son épouse ne sera pas un frein quand il rencontrera la fille de Laomédon, Hésione. Télamon est un personnage complexe, hédoniste et libre, pourtant plus sombre et solitaire que son apparence solaire ne le laisse transparaître. Derrière ses airs d'éternel séducteur se dissimule un homme sensible et blessé, qui passe le plus clair de son temps à rechercher toute distraction lui permettant de fuir un peu ses démons intérieurs.